Salut la compagnie, c'est le Forus. Nous entamons le 25e épisode de la saison 1 de Ark sur le mode Anunnaki. Alors, nous avions dit que nous allions thème deux autres Allosaur. Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Nous avons toujours les deux Dodorex qui sont là, vous voyez. Ils sont de plus en plus près de ma base. Ça va être un peu galère et problématique. Mais pour le moment, on va les ignorer et on va se consacrer vraiment au thème des allosaures, comme on avait dit. Il y en a un qui est tout vert, pas mal. Il a l'air pas mal, mais j'ai l'impression que c'est un juvénile. Un adolescent. Niveau 178, ouais, c'est pas fou. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? 292. On va se consacrer sur celui-là, en 292. Je crois que c'est un adulte. Ouais, c'est un adulte. Il est plutôt pas mal. Couleur noir-rouge. Alors, je me suis préparé des flèches Anunnaki. Là, j'ai un peu peur de toucher mon Quetzal. Mais c'est parti! On va faire gaffe quand même au Rex de feu. Ça, il a pas l'air de trop s'occuper de moi. Je sais pas s'il peut me toucher à la hauteur où je suis. On dirait que les Terror Birds essayent d'avoir l'Allosaur, mais l'Allosaur ne se défend pas contre eux. Ou pas vraiment, pas beaucoup en tout cas. Ok, c'est bon. Il est en train de s'en occuper, on va pouvoir terminer notre Allosaur. Je sais plus combien de flèches j'avais mis pour la femelle juste dans l'épisode précédent. Mais ça devait être au moins une vingtaine, si pas 30. Pour dégager un petit peu, comme d'habitude il gigote pas mal. On va essayer de l'emmener cette fois de ce côté-ci, loin des Dodorex. Il revient. Ouais, on a eu le temps de lui en mettre une. Ça c'est cool. Il me suit toujours, c'est bien. Alors, du côté des rochers ici, ça pourrait être pas mal. Voilà. Il est sur un terra. Voilà, ici je peux le bugger. S'il veut bien rester immobile, chose qu'il ne fera pas. Ouais, non. Il ne le fera pas. Ah. Ouais, j'ai eu sa queue, mais c'est pas facile. Ah, est-ce qu'il s'enfuit? Est-ce qu'il s'enfuit? Est-ce que la torpeur commencerait à faire effet? Ah, j'ai l'impression. Déjà. Waouh. Je sais pas combien j'en ai mis, mais là une dizaine, tout au plus. Ah, il revient. Il revient. Où qu'il est? Où qu'il est? Il est là. Ça tombe bien, il est... Ah non, c'est pas un Doedicurus de torpeur. Je pensais que c'était un Doedicurus de torpeur. Doedicurus, il pourrait s'acharner dessus longtemps. Alors, c'est plutôt pas mal. Allez, fais dodo! Il va falloir que je trouve le troisième, en fait, aussi. Lui, ce sera pas l'alpha, en tout cas. C'est un mâle, hein, il me semble. Hein. J'ai pas fait attention, mais je crois que c'est un mâle. Du coup, j'aurai déjà un mess boosting. Voilà. Pas l'air de réagir beaucoup. Autant tout à l'heure il avait l'air de fuir. Là, c'est... il va retourner vers les Dodorex. L'histoire se répète. On va changer les gammas. Toujours aussi chaud de l'avoir une fois qu'il commence à fuir. Ça fuit très très loin. C'est marrant. À chaque fois que je tends mon arc, il change de direction. C'est vraiment ça, quoi. Par contre, là, dans la forêt, c'est moins sympa. Oui, c'est beaucoup moins sympa pour le repérer. Ah ah. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Where is he? My god. Oh, je l'ai perdu. Je crois que là, ça va être
être trop galère. Pour le retrouver, ça va être très très galère. Ça va être très très galère. Je sais même pas si je vais être capable de le retrouver. Ou alors faut que je commence à péter tous les arbres, quoi. Ça c'est un peu chiant, hein, les forêts, ce genre de choses. Le mec il déforeste. Oh oh, c'est quoi qui m'a touché? C'est moi qui lui ai fait 120 de dégâts en fait. Je sais pas ce que j'ai touché mais... j'ai pas eu de dégâts. Bon, il est où ce talosaure? Je vois rien là. Bon, je crois que je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je retrouve ce zigoto. A tout de suite! Bon, j'ai retrouvé notre petit garnement. Alors, je sais pas trop comment, mais il a fait un tour de malade. Bref, il était parti dans cette direction et je le retrouve ici. Et il s'est trouvé des compagnons, donc du coup, ça va être un peu plus compliqué que le thème. Parce que voilà, ils sont tout simplement 4. Si j'arrive à l'endormir, il y a intérêt à ce que les autres se barrent. Alors, on va le tenter quand même. Ouais. C'est le un des plus hauts levels, c'est pas le plus haut level, c'est l'alpha qu'on peut voir qui est le plus haut level, mais je trouve noir et rouge est beaucoup plus beau, et après ils ont que 3 levels de différence, je veux dire, c'est un 292 et l'alpha c'est un 295, ça va pas être... Est-ce que c'est lui? Il me semble que c'est lui hein, normalement, ouais c'est lui. Voilà, on va l'attirer de ce côté-ci, ils sont tous sur moi, il faut que... Faut que je les attire vers, je sais pas, les brontos par exemple. Ou alors je les amène carrément vers ma base. Ça pourrait être pas mal ça. Ah! Il s'est coincé! C'est justement celui que je dois t'aimer. Ah, oh, il a rebougé. Ah merde, il y a Dodorex là! C'est Dodorex, je vous jure, ça m'agace au plus haut point. Ok, ils ont complètement. Ils m'ont oublié. C'est gentil ça, de m'ignorer. Mais là je fais n'importe quoi. Ça va être très compliqué les thèmes. On va changer les gammas. Je sais même pas si c'est lui que je vais avoir. Non c'est un autre. Ok. Les gars vous me suivez? On va par là. Ma base. D'accord? Vous me suivez à ma base? Venez. Oh my god. Il est là-bas. Il est avec l'alpha, c'est les deux plus hauts levels là qu'on est en train de voir ensemble. Allez, venez les cocos. C'est bien, ça me suit. C'est bien. Oh merde, il y a un Dodorex. On va traverser ici les cocos. Oh putain, il y a un Rex. Ah, c'est l'enfer. Mais les Dodorex, c'est abusé, sérieux. Ils m'ont oublié, encore une fois. Je ne suis pas assez digne pour eux. Il est là, c'est lui. C'est lui là, le noir et rouge là. Toi. Je l'ai pas eu. Je suis nul. Mon dieu. Comment est-ce que je pourrais les avoir? Ah là, il a l'air un peu coincé. C'est plutôt le moment. Voilà, là c'est lui que je viens d'avoir, mais ils sont plus coincés. Mais on les ramène vers la base, petit à petit, on a bon espoir. Tant qu'ils n'aggro pas quelque chose, sauf qu'ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est quoi maintenant cette fois qui a attiré leur regard? Voilà, ils reviennent sur moi. Allez, revenez les gars. Voilà. Par ici les gars. Non! C'est vraiment compliqué. Je crois que c'est lui que j'ai eu. Je crois que c'est lui que j'ai eu. Non, c'était l'alpha. Bref, du coup, ils viennent vers moi. On va les réattirer par là. Et à un moment donné, quand on traversera l'eau, ce sera plus simple. C'est une galère. Un melting pot comme ça de d'allosaure. Attendez, c'était quoi ça? Je me suis fait toucher par quoi?
Ou c'est moi qui lui ai... Non, j'ai pas de torpeur, hein. Je me suis fait toucher par quelque chose, je ne sais pas quoi. J'aime pas trop ça. Bon, le Dodorex a retraversé, donc il faudrait les emmener de ce côté-ci. J'aimerais bien enlever complètement les Dodorex de la map, tellement que je trouve ça abusé. Ah, c'est pas lui que j'ai eu, mais... Après, je me suis fait assez de flèches Anunnaki, donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Je ne suis pas digne. Ah, là, je peux l'avoir. Non, il a bougé. Allez, les gars, venez. On va passer par l'eau directement. Par contre, ils sont où? Ils ont encore changé d'objectif. C'est chaud, boulette. C'est lui, hein? Oui, c'est lui qui est sur moi. Vite, faut que je l'aggro. Ah, mais non! C'est le premier. Ou alors c'est un troisième Dodorex? Sérieusement? Il est où le l'allosaure? Le mien? Il est là. Il est séparé du groupe. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Par contre, il est dans l'eau. On va juste essayer de l'aggro un peu plus. Non, non! Non! Non, arrête de bouger! Arrête de me troll! Il bouge comme. Il fait des tours en rond! Je veux pas se laisser faire. Ah voilà, je l'ai touché. Du coup, on l'emmène par ici. C'est plutôt cool qu'ils me suivent là. Par contre, et il me suit. Ok. Il me suivait, mais là. Il a l'air bloqué. Ah, ça c'est un problème ça. Ah. Il repart de ce côté-là. Je crois que c'est la torpeur qui commence à faire effet. Ok, ok. Essaye de me suivre quand même. Je voudrais pas que tu restes dans l'eau. Torpeur commence à faire effet, mais. Bon, ici, normalement, il a pied. Là, il a pied. Hein. Les autres allosaures sont où? Je les vois plus. Ah, ils sont là-bas, au loin. Ok, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Coco, arrête de bouger tout le temps, s'il te plaît. Tu vas voir, tu seras bien avec moi. En plus, t'auras un copain. Enfin, une copine. T'auras une jolie copine. Tu vois, elle est forte en plus. Normalement, là, s'il s'endort, il a pied. Il a l'air un peu bugué, donc c'est vraiment... C'est parfait. Voilà. Il s'endort. Bon, on a un Carnot, là, qui va nous emmerder. On peut peut-être essayer de le tuer. Je sais pas quel level il est. On va l'emmener ailleurs. Je crois que la solution la plus simple, c'est que je l'emmène ailleurs. Je le tue, comme ça je prends ses primes. Quoique, attendez. Est-ce que j'ai encore... Je vais aller chercher des primes carrément à la base, en fait. Et juste une chose que je voudrais vérifier par rapport à l'allosaure, c'est qu'il se noie pas. Il a l'air d'être quand même enfoui dans l'eau, hein. Bon, il est quel level, ce Carnot? 328. Viens ici, Carnot. Ah, il m'a désaggro. Il m'aurait peut-être désaggro. Ah, j'ai l'impression qu'il m'a désaggro. Ok. On va se mettre ici. Ok, j'ai eu peur. Donc. Allez. Oh, genre, je suis coincé sur le Quetzal, d'accord. Bon, non. Soit il est mort, et tant pis. Oh, le Carnot qui revient. Bon, du coup, on va vraiment s'en occuper du Carnot. Il faudrait des arbalètes. Que je trouve des arbalètes plus puissantes dans les airdrops, ce serait cool. Parce que c'est vraiment pas assez pour les levels qu'ils ont. Je gaspille surtout la durabilité. Ou alors une arbalète avec une meilleure durabilité, ce serait cool. Je vais essayer de faire plus d'airdrop. Entre chaque épisode. Allez, Coco. Crève. Meurs. Monsieur, presque level 400.
3 ans. Les deux Dorex ils sont pas là. Hein. Il y en a un qui est. Ah non, ça c'est un allosaure. Je voudrais pas qu'il y ait un Dodorex qui arrive maintenant. C'est ça, va-t'en. C'est ça, va-t'en. Ah, excusez-moi, cette petite alarme qui s'est mise en route. Je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en... Ah, il est coincé là-bas. Parfait. Il va mourir. Meurs. Meurs. J'ai un allosaure là. Tu me retardes. T'es une épine dans mon pied. Allez. Allez Coco, tu peux mourir. Il meurt toujours pas quoi. C'est incroyable, je sais pas combien de flèches je lui ai mis. En tout cas je vois la durabilité de mon arba. C'est juste incroyable. Toujours pas mort hein. Toujours pas mort hein. Non, il revient. Comment il est revenu d'un coup comme ça? Voilà. 328, le bonhomme, quoi. Bon. Est-ce qu'il est mort? En tout cas, il devrait être mort, hein, franchement. Ouais, je sais pas accéder à son inventaire. Je crois qu'il est mort. Ah non, il est inconscient! Allosaure, inconscient, son oxygène ne descend pas, donc c'est plutôt cool. Après, où est-ce qu'elle en est, son inconscience? Pourquoi est-ce que je vois pas? Oui, non, ça va, j'ai le temps, je vais aller chercher du coup Mero Prime. Du coup, c'est cool, pendant tout ce temps-là, pendant que je tuais le Carnot, il a commencé à avoir faim, donc ça devrait aller assez vite, comme lors de l'épisode précédent. Let's go! Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait un Quetzal niveau plus de 300, en sachant que celui-ci était 252, donc j'ai trouvé un meilleur Quetzal. Bah voilà, je pensais pas que ce serait possible, mais dans le mode Anunnaki c'est tout à fait possible. Bah, c'est pas bien grave, on a quand même un bon Quetzal. Je verrai plus tard, peut-être hors vidéo, je me le tamerai. Histoire de pas faire des épisodes un peu redondants. Déjà qu'on est en train d'en faire un épisode sur les allosaures. Enfin, deuxième épisode sur les allosaures. Donc, voilà. Il va falloir que je cuise plus de prime. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé de la prime dans mon premier allosaure. Bon, les deux Dorex sont pas là. C'est plutôt cool. Alors, il y a un autre allosaure qui est coincé là-bas. Je me demande quel level il est. Du coup, on se le tèmerait peut-être. Par contre, là, on a un Terror Bird. Quoique, il est en train de partir. Je vais peut-être le laisser partir. Voilà. Part. C'est un juvénile, je crois. C'est pour ça qu'il fuit. Ok, pas de piranha. C'est pas un piranha, ça. Hein. Je vais peut-être... si, c'est l'inventaire de l'allosaure là. Voilà. Par contre, j'avais sélectionné mon grappin. Bon. Normalement, il devrait manger assez vite et il devrait se tame bientôt. Le Dodorex est là. Pars dans l'autre sens, va voir ailleurs. Ils sont toujours en train de border les plages et... C'est dommage qu'ils puissent pas genre, changer complètement de zone de map. Et aller, je sais pas moi, dans le nord. Ah ok, il a disparu. Tant mieux. Reviens pas. Bon, j'en profite, puisqu'on n'a rien à faire là. Niveau 149, non c'est pas terrible. C'est le plus bas level qu'il y avait. Non, il y avait un level 59. C'est celui qui est juste au-dessus du plus bas level qu'il y avait dans le groupe. Quoi qu'il en soit, c'est pas l'alpha. Ah, on a un T-Rex 18, level 18, c'est rien du tout. Et ce Spino, c'est un 62. Celui-là, c'est un 397. Et alors, t'en es où?
Dommage qu'on voit pas sa barre d'inconscience comme ça. En tout cas, il est super beau. Et je sais pas pourquoi, mais on peut pas voir les... Je suis sûr qu'ils ont un level, les Dodorex, hein. Mais je sais pas, on voit pas leur level. Bon. Et lui, là, ça fait un certain temps qu'il est coincé comme ça. Ah, c'est un... Ah ouais, d'accord. Attends. Viens ici. Oh. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce Sarko? Ah putain, il est déjà là! Il est déjà là! Ouais, mais c'est vrai qu'on est dans l'eau, mais franchement, il était vite, hein. Mais allez! Waouh, il est rapide! Il a une vitesse de fou. Voilà. Bon, c'était un peu compliqué, mais on est finalement. Ok, comme ça, il s'occupe de lui, et il s'occupe plus de nous. Lesquels level? Il y a un scorpion qui s'occupe de lui. Ah, c'est un scorpion. C'est bien ça que je voulais regarder. C'est un scorpion de torpeur. 262. Non, mon allosaure est mort. Ah non, c'est pas, c'est le Carnot tout à l'heure. Par contre, il faudrait vraiment que j'attire. Faut pas que j'attire le Sarko là. Viens, le Sarko. Tu me suis? Viens par là. Ouais. Il est beau par contre, il a des taches et tout. Des taches vertes, hein, ça fait un peu marécageux comme ça. Plutôt stylé. Bon, il a l'air de m'avoir des aggros. On va faire le tour. Ça, un gros aggro, ouais. Et alors, il est toujours pas prêt l'allosaure? S'il est mort, noyé, je rigole, hein. Sérieux. Ouais, non, il est en train de manger. C'est juste que c'est beaucoup plus lent que la première fois. J'ai pas assez attendu en fait. J'ai pas assez attendu qu'il ait faim. Mais comment il est venu chercher mon Quetzal, ce Sarko, quoi? Je savais pas que ça pouvait escalader aussi bien une roche. Level up. Niveau de la vitesse, j'aimerais bien qu'il soit à 200%. Et puis après, je vais augmenter sa vie à mort. Dégâts de mêlée 378, ça va pour un Quetzal, c'est plus que suffisant. Mais vous savez quoi, je vais faire une petite ellipse. Oh my god, peut-être pas en fait, parce qu'il y a juste le Spino ici. Je sais pas s'il s'attaquerait à mon Allosaure. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. Il m'a touché? Ah, il m'a touché. J'ai pas vu le nombre de dégâts qu'il m'a fait par contre. Il a plus l'air de me chercher là. Il m'a déjà désaggro. Désaggro super vite. Ouais, purée. Il me désaggro super vite, quoi. Peut-être parce que je suis sur un volant. Ah. Ah, elle est où la mouche? Ah. Putain, elle est partie de loin derrière. Là. Bon. Dodorex là-bas. Bon, c'est bon, il m'a des aggros, hein, le Spino. Bon, je vais faire une petite ellipse. Petite ellipse jusqu'à ce qu'il soit réveillé. Et on reprend tout de suite après. Notre gaillard s'est réveillé, c'est parti. On va aller le mettre à l'enclos avec sa copine. Ah, où est-ce qu'il est passé? Il a fait le tour. Il a l'air un peu ballot. Ok. Par là. C'est bon? Ok. Voilà, bon, après il commence à faire nuit, on va changer les gammas, comme d'hab. On commence à avoir notre petite triade. Il va nous manquer juste le petit dernier. Voilà, on est presque arrivé déjà. Ah, il y a un Dilo qui l'a aggro? Non, on s'en fout. Alright, ça c'est fait. Voilà, bouge plus. Reste là. Du coup, on va sortir le bas level qu'il me reste.
Niveau 53. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. On va lui prendre sa jolie selle et ses viandes. On va lui mettre les viandes à lui. Hop, tac, la selle. Peut-être récupérer ça. Et donc du coup, on va faire un petit Destroy My Target. Destroy My Target. Voilà! Plutôt cool! Il est vraiment beau, franchement, il est trop trop beau. Alors au niveau de ses DPS, il est quand même un peu en dessous, qui avait 7000 et il avait 11000 de DPS. Ici on a 8883. Donc il équivaut pour le moment, puisque je vais pouvoir augmenter un petit peu ses dégâts à un moment donné, mais il équivaut à peu près au Rex niveau 62 quoi. Voilà, en gros. On va le rentrer. Et c'est parti, petite ellipse, jusqu'à ce que je trouve notre troisième allosaure. Bon, du coup, il nous reste 40 flèches à Nunaki. Ah, on fait attaquer par une mouche. Ah, j'ai level up avec une mouche, d'accord. Je prends. Ok. C'est celui-là, hein. Je regarde, mais c'est bien le 295. Ouais. Par contre, est-ce que je pourrais avoir sa queue normalement? Ouais, je l'ai. C'est parti, dommage. Ça aurait été trop facile. Il s'enfuit? Non, il s'enfuit pas. Et il se fait attaquer par deux vélociraptors. Il se défend pas contre deux vélociraptors. Eh hey, Coco. Ou alors les deux vélociraptors essayent d'avoir la même proie que lui et donc du coup ça donne l'impression que c'est possible. Ah, ça doit être le Quetzal que j'ai vu tout à l'heure, niveau 300. Ouais, 372, vous voyez le level quoi. Moi qui étais déjà super content d'avoir eu un 252. Oui. Toi, pas bouger. Non, il a bougé. Je le touche ou pas? Oui, je le touche. C'est cool. Bouge pas trop, il allait récupérer sur une proie. Il ou elle, je sais pas, je veux. Non, ça n'ira pas comme ça. Il va falloir que je me rapproche. Il y a un Dodorex dans les parages, je sais pas trop où. Non, pas dans la forêt. Non, pas dans la forêt. Oh my god. Écoutez, on va. Ah, c'est quoi là? Dans le rocher. Il y a un truc dans le rocher là, c'est bizarre. C'est un fiemir, on s'en fout. Ellipse, hein, parce que. Voilà. Tant que je le retrouve là. Ah, quoi qu'il est là en fait. Attendez, il est juste ici. Ouais. Je dis il, c'est peut-être pas il, hein, mais c'est. Histoire de. Il faut bien lui déterminer un sexe dès le départ, quoi. Voilà. Reviens par ici. Tu lâches la flèche. Non, yes! Alors, on va le ramener un peu vers la base, comme d'habitude. Par contre, là, il est un peu bugué. Non. Oh, il est. C'est plus trop ça. Je me suis plus. Viens par là. Il me ferait vraiment plaisir si tu me lâchais pas l'aggro comme tu le fais tout le temps. Il a lâché l'aggro. Ah, il a l'air de fuir. Non, il a l'air de revenir. En fait, ça lâche très vite l'aggro hein, quand même. Je sais pas si c'est le. Je connais pas assez l'allosaure pour savoir si c'est l'allosaure qui de base désaggro très vite ou si c'est parce qu'on est dans le mode Anunnaki. Je crois que celui-là ça doit être le bas level. Ouais, c'est le vert, c'est le bas level. Niveau 51. Deux tribes sur lui, d'accord. Ouais, non, ça va. Le Spino vient l'aider de toute façon.
Par contre, on va essayer d'en profiter pour l'avoir. Voilà. Ah zut, raté. Allez, si ça fuit. Ah, il a détourné. Franchement, il y a un truc avec les flèches, c'est pas possible. Bon, là c'est moi qui foire, mais... Des fois, hein, tu vis, t'anticipes son mouvement et t'as lâché ta flèche et... Quand la flèche est censée arriver sur l'allosaure, il tourne. Sauf quand il est avec une proie, là ça va. Quand il a une proie, c'est vraiment easy. Putain, il est ralenti comme ça, c'est bizarre. Oh! Est-ce que la flèche Anunnaki présente la particularité que, en plus de donner de la parture, de la torpeur, pardon, ça ralentit le dinosaure? Je me demande, parce que là, il avait l'air vraiment très ralenti. Je sais pas. Peut-être que je flash. Hein. Mais ce serait pas mal une flèche comme ça, en tout cas. Si c'est pas le cas, une flèche qui ralentit en plus de donner la torpeur, ce serait stylé. Ah, là, il s'enfuit. Là, il s'enfuit. Il s'enfuit bel et bien. Il revient. Revient. Ah non, en dodorex. Non, non, plutôt par là. Retourne de ce côté-ci. Non. Non. Ah, si. Yalla. Yalla. Voilà. Non, il désaggro très très vite. Et du coup, vers le dodorex, comme d'habitude. Donc, il faudrait que je l'aie avant qu'il se barre. On peut pas faire plus proche du dodorex là, hein, sérieux. Regardez-moi ça. Au prochain épisode, à mon avis, je vais faire quelque chose contre les dodorex. Parce que là, ça commence vraiment à bien faire. C'est pas possible, je peux même pas tame quoi que ce soit en sécurité. Hé, l'allosaure, tu veux pas traverser de l'autre côté, là? Ce serait parfait. Non, pas vers le dodorex. C'est là qu'il s'endort, à côté du dodorex. Bon, je suis en train de le perdre, on va peut-être revenir de ce côté-ci... Il est là-bas. Il s'éloigne du dodorex et puis il repart dans l'autre sens quand il s'éloigne du dodorex pour revenir vers le dodorex. C'est totalement naturel. Allez, il s'éloigne du dodorex pour revenir vers le dodorex. C'est fait exprès, il n'y a pas moyen quoi. Oh my god. Allez, s'arrête pas de courir, tu veux pas t'arrêter là. T'as le feu au cul, hein, Coco. Ça t'a fait mal les petites flèches. Non, te colle pas du côté. Non. J'ai vraiment du mal là. J'ai du mal avec ces allosaures. Comment est-ce que je peux anticiper ça? Ils sont imprévisibles. Nonsense dans leur mouvement. Ah, il a l'air un peu coincé. Non. On va essayer de loin. Là. Là, normalement, j'aurais. Non. 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 Il me reste combien de flèches? 5. Oh my god. Il s'arrête pas, hein. Et il se met toujours vers le dodorex. Pourquoi ça se passe toujours comme ça quand je t'aime? Oh oh. Par contre, le dodorex, ça fait un peu peur là quand il crache. Il pourrait très bien tuer mon Quetzal. Bon, l'allosaure, ça suffit, merde. Là, je t'ai touché. Mais je l'avais touché, c'est pas possible. Non, mais là, j'anticipe bien son mouvement.
Bug toi dans un rocher, je sais pas, moi, fais quelque chose. Il sait quand je vais lâcher ma flèche, c'est pas possible. Bon, plus de flèches, on va utiliser les Metal Trank pour pas abuser avec les Tempest Trank. Elles ont donc un tout petit peu moins de torpeur que les flèches Anunnaki. Flèche Anunnaki, c'est 300 de torpeur. Metal Trank, 150. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode ou la fin de l'épisode en question qui traite sur ce sujet. Bon, là, tu nous fatigues un petit peu. Tu t'arrêtes toujours pas. My god. Pire, c'est qu'il va pas lui falloir. On dirait. Là, il court tellement qu'on dirait que. Qu'il lui faudrait juste une flèche pour l'endormir. Mais je suis sûr qu'il en faudra plus qu'une, quoi. Regardez, retour vers le Dodorex. Voilà, là je pourrais me dire ouais il va par là. Non, il change tout le temps de sens. Du coup je vais rester là, je vais attendre qu'il revienne ici. Il va forcément revenir ici. Non, c'est imprévisible. Ah, il y a un spino. Attends, je vais lâcher ma flèche. Voilà. Où est-ce qu'il est passé maintenant? Il a traversé. Oh, j'ai failli tomber. Je me suis trompé de touche, j'ai failli tomber. Ok. Bon, il est là. C'est imprévisible ce truc. Mais ça revient toujours vers le Dodorex, quoi. C'est. En fait, c'est jusqu'à ce qu'il perde complètement sa torpeur. Je vais pas arriver à le toucher. My god. Il me fait. Dégage du Dodorex. Fous-moi la paix. Ok. Ou alors le Dodorex, tu veux pas te casser? Eh, le Dodorex, dégage. Mais c'est. Je vous jure, ça. Il essaie de m'avoir moi, je crois, là. Ah non. Bon, il s'est éloigné du Dodorex. Mais il va revenir très vite sur le Dodorex. Faudrait que j'arrive à le toucher de très loin. C'est chose qui n'est pas facile, surtout quand vous voyez qu'il ne fait jamais des lignes droites. Ça va être très compliqué de l'avoir. Ah, il bouge plus. Il bouge plus, est-ce que ça veut dire que là je l'ai touché? Quand il bouge plus ça va, mais. Ouais, voilà, bouge pas. Non! Allez, endors-toi. Par contre, si je l'endors ici, je vais avoir un problème avec le Dodorex. Ah non, le Dodorex a l'air de s'enfuir. Enfin, de s'enfuir. De partir plus loin. Ah, il repart, ça veut dire que vraiment il est sur le point de s'endormir. On va tenter des flèches au hasard là. Regardez, le Dodorex s'en allait. Regardez où est-ce qu'il s'en va. C'est fait exprès. Hein. Il y a un moment donné, c'est fait exprès. C'est pas possible. Voilà, traverse l'autre côté. Là, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Continue de courir très loin. Fais pas demi-tour, ne fais pas demi-tour. Ne fais pas demi-tour. Reste de ce côté-là. Non. Et ça, c'est l'autre Dodorex qui est là-bas. Bon, les deux Dodorex sont là-bas. Là, il faudrait que je l'endorme. Ce serait vraiment bien si je pouvais l'endormir ici. Dors. 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 J'essaie d'anticiper son mouvement, mais. Et je lag à mort là. Je défrise de fou. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il faut que tu dormes, mon gros. Waouh. Il était repoussé par le. Ah, il était repoussé par le. Panto. Allez, viens par ici. Jamais essayer de penser qui va venir vers vous. Enfin, essayer de comprendre ses mouvements, c'est pas la peine. Par contre, il s'est endormi ou quoi? Ah. Évidemment, il va dans la forêt. Ça, je voudrais pas qu'il s'endorme dans la forêt quand même. Là, je peine. Je
perds un peu patience. J'arrive même pas à le toucher tellement qu'il est fou. Il est fou! Comment veux-tu le viser? Non! Putain quoi! Et combien de flèches il va lui falloir encore? Ah oui, c'est bien quand il se bug. Il se bug que jusqu'à ce que j'arrive! Voilà, une. Allez, pourtant, j'enchaîne les flèches. Non, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Il me rend fou. Il me rend fou, fou, fou. Je deviens complètement dingue. Allez, fais dodo. Putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est abusé. Il va aller dans la forêt. Ne va pas dans la... Je l'ai perdu. Le revoilà. Le revoilà, mais pas pour longtemps. Ça m'agace. Où est-ce qu'il est maintenant? Non. Oui. On est reparti pour l'autre côté maintenant. Pourquoi il se bug pas? Ce serait tellement bien s'il se buguait aussi. Rien qu'il arrête. Hein. Mais allez! Non! Reste 8 flèches. J'arrête pas de gaspiller mes flèches, c'est tout ce que je sais faire. Oui, il est bugué. Dors là. On va passer au Tempest Trank parce que j'ai plus de Trank du tout. Ça m'arrangerait s'il pouvait dormir. Avec une d'entre elles. Voilà. Voilà. Tu bouges plus. Je vais aller rechercher des primes. Ah, vous savez quoi, je vais faire une ellipse. Parce qu'il faut le temps qu'il commence à avoir faim. Vu que la dernière fois j'ai pas trop bien géré sa faim. On va vraiment attendre qu'il crève de faim. On va lui mettre les primes. Et normalement ça va être de l'instant. Donc je vous dis à tout de suite. Un bon quart d'heure que j'attends. Du coup notre allosaure devrait avoir vraiment très faim. Du coup, hop, on va prendre la prime, on va retourner le voir, voir comment il va. Parce que, si ça se trouve, il est mort. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les allosaures, quand ils tombent, personne s'y intéresse. Il y a vraiment... il y a personne qui va essayer de le bouffer, quoi. Donc, il est vraiment tout près, c'est plutôt cool. Alors ici, je vois qu'on a... Ah, ça va, on a un carnot là-bas. Ah, il y a un terror bird. Ok. Normalement, j'ai peut-être le temps de déposer au moins les Raw Prime. Ah, voilà. Il en a déjà bouffé une. Hop, on va remonter un petit peu pour se mettre safe. Et on va observer comment ça se passe. Normalement, ça devrait aller vite, vite, vite. Quel level ce Carnot? Il a l'air d'avoir quand même défoncé un 317. Là, ah, mon Quetzal a level up. Bientôt il aura ses 200% de vitesse. Il a l'air de continuer de manger l'allosaure. Voilà, accepté. Du coup, est-ce que tu arrives à me suivre ou t'es bugué? Non, t'arrives à me suivre. Du coup, est-ce que tu peux traverser de ce côté-là? Voilà. Mais du coup on va avoir notre alpha. C'est cool, on a notre triade. A priori c'est bon là. Hop, c'est parti.
Oh. Ok, j'ai vu sur la gauche. Bah vraiment, j'espère qu'il me suit toujours là. Cours. Cours, pauvre fou. Putain, merde. Je crois qu'il est aggro. Non. Non, 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 non. Oh putain, 13 200 de dégâts. Ok, vous avez vu ça? Mais par contre, qu'est-ce qu'il fout là? Non, quoi, il est juste à côté de ma base. Sérieux? Putain, mais ce truc, c'est un monstre, hein. Vous avez vu ça, quoi? 13 200 de dégâts. Bah vraiment falloir que je fasse quelque chose. Mais donc du coup voilà, ça c'est un peu super. J'avais un super beau Allosaur 295 qui complétait ma collection. Du coup on va terminer l'épisode ici. C'est sur cette mort tragique que se termine l'épisode. Et pour le prochain épisode on va vraiment faire quelque chose. Je sais pas, je vais essayer de regarder sur internet une arme OP ou y aller au bazooka sur le Quetzal, j'en sais rien. Mais il faut vraiment que je détruise ces Dodorex parce que je crois qu'on en a trois du coup. Parce qu'il y a celui-là ici, on va vérifier. Il y a celui-là ici. Il y en a un autre qui est ici pas loin. Où est-ce qu'il est? Non mais ça devient n'importe quoi ici. Il y a beaucoup trop de Dodorex quoi. Quand on voit le nombre de dégâts qu'ils font et je vous parle même pas de leur vie et pour essayer de les endormir, ça doit être aussi quelque chose. Voilà, il y a le deuxième ici et il y en a un troisième. La dernière fois, oui, il est là. Le troisième est là quoi. Non mais vous rendez compte, trois Dodorex quoi. Voilà, bon. Du coup, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.